parce qu'il faut parfois se lever avant le soleil et conduire jusqu'à l'autre bout de la ville. Parce qu'il faut être là pour les bons coups et pour les moins bons coups. Parce que pour chaque dollar versé pour qu'ils atteignent leur but... Ah, non, ça, voyez-vous, madame, c'est pas assez. Les prix ont monté. Ah, comment ça? Sur le montant là, que vous donnez pour vos petites ligues le fun, ben, y en a une partie qui vient à Hockey Canada. Puis là, en ce moment, ben, notre fonds d'indemnisation des agressions sexuelles, il est vide. Quoi? On met de l'argent dans un fonds spécial pour payer les victimes de l'agression sexuelle que nos joueurs commettent. Tu sais, pour pas que ça se sache. Ça nous a sauvé que plusieurs fois, ça. Ah, ben, tabarnak! Hein? Moi, je suis là comme une épaisse. Je prépare des lunchs, je me lève à 4 heures du matin pour aller pogner des hémorroïdes dans un aréna à Beauport. Je passe 80 % de ma vie devant une laveuse. Je chaurai des poches d'hockey qui sentent le cul. Je me suis pas acheté de linge depuis 10 ans. Je me teins les cheveux avec du vinaigre. Je ramasse les canettes. Je rince mes ziplocs. Je fais mon propre déo maison. Puis je peux-tu te le dire que ça marche pas? Puis pendant ce temps-là, votre gang de tata, vous prenez mon argent pour la mettre dans la petite caisse du viol. Ça vous tentera pas, je sais pas, moi! Juste d'empêcher le viol! Bon, on peut pas vraiment faire ça, madame. On a trop des grosses graines. Yeah! Hockey Canada remercie toutes les mamans. Hockey Canada, allez donc chier.